Je suis admiratif devant une publication qui a pour titre « Demeure ». C'est Jean-Sébastien Huot qui est à la fois poète et peintre et qui produit ici son 8e livre. Mais d'abord, Jean-Sébastien, bienvenue. C'est pas ton 7e, si on veut, en poésie, non? Ben, c'est mon set. J'ai fait du roman, un bus pour Tokyo, puis un récit. Mais ça, c'est peut-être mon 5e en poésie ou 6e, là, ouais, c'est ça. Mais j'avais fait une petite plaquette chez Gaz Moutarde, mais c'était environ 15 poèmes. Ça s'appelait Satori Industriel. Mais ce n'est pas vraiment un livre, c'est un numéro de revue avec 15 poèmes et des illustrations que j'avais fait, là, ouais. C'est ça. Quel groupe de poètes incroyables, Gaz Moutarde. Moi, j'ai suivi pendant un bout jusqu'à l'épuisement. Et là, je ne sais pas où ils en sont rendus. Mais toi, je sais où tu es rendu avec Demeure, qui est un magnifique recueil de poésie et d'art visuel, d'illustration. Mais ta formation, c'est d'abord et avant tout en littérature. Oui, c'est là-dedans que j'ai étudié, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'est sûr que moi, j'ai toujours eu, quand j'écrivais, j'ai toujours eu une technique, je faisais des peintures en direct à l'époque avec Michel Debroy et Mathieu Beauséjour. Donc, on a fait quand même beaucoup d'expositions ensemble à l'époque. Mais c'est sûr qu'en partant, pour moi, c'est l'écriture qui est ma base. Mais en même temps, j'ai toujours aussi un peu comme certains poètes comme Jean Cocteau, William Burroughs, on fait aussi de la peinture. Donc, moi, c'est un peu ça, là, Klossowski aussi. Donc, ça m'a toujours un peu nourri dans mon imaginaire de faire un peu de l'art visuel, de la peinture et de la poésie. Alors ça donne l'idée aux gens que ce recueil de poèmes est aussi un recueil de poèmes illustrés, parce qu'en même temps, tu titres chacune de ces demeures qui composent le recueil. Et ça, je trouve, c'est de la poésie, selon moi, à l'état pur, c'est-à-dire dans le sens où tu n'es pas seulement un poète de l'écrit, tu es également un poète de l'illustration. Et ça, c'est toujours. Moi, ça me fascine, en tout cas. Étant donné que j'ai un faible pour les arts visuels, tu comprendrais mon affaire. Alors, si je comprends bien, tes demeures, ce sont ni plus ni moins que tes ateliers. Oui, ben, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais laissé un peu la peinture pour me consacrer à l'écriture avec la vie, puis j'avais fait des études, puis le début de l'enseignement au cégep, moi je suis prof de cégep, m'avait un peu pris du temps. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis remis à peindre, puis il y a quelques années, puis j'avais toujours le projet de faire un livre. Dans ma tête, j'ai toujours eu le projet de faire un livre avec mes dessins. Puis, bon, ce qui est arrivé, quand j'ai vu que Stéphane, aux éditions Mes Libres, faisait des bandes dessinées, ben moi, j'ai décidé, avec un peu de l'intuition, d'envoyer mon manuscrit, même si à l'origine, je savais qu'il ne faisait pas de poésie. Bon, ils ont accepté mon manuscrit, alors ça l'a donné suite à ça, là, donc un livre avec des illustrations. Puis en même temps, c'est l'atelier aussi, comme tu dis, c'est-à-dire que moi, avec la pandémie, ben, tu sais, je suis resté un peu confiné avec le confinement, donc ça m'a permis de retrouver l'atelier, la demeure un peu originale, donc puis de faire des collages et en même temps de faire de l'écriture en même temps. Jean-Sébastien, parle-moi un peu de cette maison blanche à laquelle tu as donné un titre, Âme. Ben, c'est-à-dire que là, sur l'image qu'on voit, la maison est bleue, hein? Alors, comment dire, c'est tout un peu des maisons. Il y a quelques personnages, un personnage ou deux des bonhommes un peu allumettes, là. La maison a toujours été un peu un archétype dans ma peinture, dans mes peintures et les Dans ta collages. démarche, quoi. Dans ta Dans ma démarche. démarche, effectivement. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que, comme j'expliquais tantôt, avec la pandémie, le confinement, je décide de revenir un peu aux demeures primordiales. Bon, il y a la figure de la mère aussi qui traverse le recueil. Et moi, j'étais à peu près un an et demi sans voir ma mère et tout ça. Puis je me souvenais de la campagne. Elle a une maison de campagne sur le bord du fleuve. Quand on allait là, c'était toujours un peu la maison ouverte, hein. Il y a un grand terrain, puis il y avait une petite forge où je vais pour corriger des fois ou pour écrire. Alors, j'avais un peu la nostalgie de ça, puis ça le ramenait un peu à, tu sais, la demeure, l'âme, comment dire, tu sais, puis c'est un peu ce que j'ai voulu retrouver, une espèce d'âme et d'harmonie dans ma poésie.
Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis, ben, évidemment, comme je vous dis, j'ai poursuivi sur les maisons. J'avais envie de faire ça. Puis, en même temps, avec le confinement, je trouvais que c'était approprié parce qu'on était tous dans notre demeure, quelque part. Hein. On est coincé. Puis, on était coincés. Puis, en même temps, sans dire que c'est des problèmes de confinement, parce que c'est pas ça. Comme je vous dis, la maison a toujours été un peu dans ma peinture, un peu, ça a toujours apparu, là, dans mes anciens tableaux comme maintenant. Puis en même temps, ce qui est arrivé, c'est que moi, bon, je lis beaucoup de poésie contemporaine. Hein, ben, tu sais, alors, mais ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, le confinement, je me suis remis à lire des classiques, Verlaine, Rimbaud, Ah oui. Baudelaire, Nerval, Apollinaire. Et j'ai découvert une forme de musicalité que j'avais, tu sais, la musicalité qu'il y avait dans ces poèmes-là. Et ça me rappelait un peu la demeure, ma mère enfant qui, tu sais, bon, la voix de la mère qui apportait un peu du bonheur et des choses un peu comme ça. C'est Et formidable. c'est ça que j'ai cherché à retrouver. C'est-à-dire que j'ai voulu un livre plus harmonieux. Vous voyez, mon dernier livre, celui, c'est un livre avec des collages. Mais là, il n'y avait pas d'illustration dedans, mais c'était fait à partir de, tu sais, c'est des poèmes un peu découpés comme des chroniques un peu de l'époque contemporaine, du vide contemporain. Mais avec ça, j'ai voulu retrouver une forme de langage harmonieux dans ce recueil-là, la demeure, donc l'âme, c'est ça. Je vais te donner quelques secondes. Est-ce que tu as ton livre à portée de main? Oui, j'ai ça pas loin. Alors, je vais te Oui. donner quelques secondes pendant que je vais jaser un petit peu pour me trouver un poème qui, selon toi, illustre bien le propos. Je sais que je te demande beaucoup, mais en même temps, ça nous donne l'occasion d'entendre ta musique, d'entendre tes sons, tes couleurs. Alors, si tu en as un, aussitôt que tu en as un, tu lèves la main. Oui, c'est ce que j'essaie de faire là. Il faut dire qu'en même temps, tu vas exposer très bientôt dans une galerie qui s'appelle la galerie G de BR. C'est où ça, BR? Ben, c'est la galerie de Geneviève Boivin-Roussy là, D'accord. qui se trouve à OK. Danville et c'est une expo. En fait, on est quatre artistes à exposer. Bon, je n'ai pas encore vu l'espace, mais ça va être au mois de juin, là. Je vais aller accrocher dans les prochaines semaines là, pour. Génial. As-tu Alors, trouvé ton ben le extrait? poème, en fait, c'est peut-être le regard posé sur Étant donné de Marcel Duchamp, Révolution surréaliste, j'ai tournesol aux yeux, à droite l'ardeur, à gauche les poèmes sous hypnose de Desnos, j'aurais traversé les roseraies d'Apollinaire, les sommeils de Réverdi, bu, plaies, reliques, comme moi le vivre d'une comptine. Alors, ça, c'est un poème. Bon, moi, je me suis toujours intéressé au surréalisme, puis. J'ai un peu à travers, comme je vous dis, je me suis dit, je ne ferais pas un livre déprimant parce qu'on était à une époque un peu déprimante avec le COVID et tout Merci. ça. Non, non, mais vous comprenez un peu. Alors, j'ai voulu faire un livre Absolument. dans l'ardeur, puis je me suis rappelé les premiers poèmes qui m'avaient motivé, les automatistes au Québec avec Paul-Marie Lapointe, les surréalistes qui étaient les premiers poètes que j'ai lus dans la vingtaine qui m'ont vraiment poussé vers l'écriture. Hein. Alors, c'est un peu ça que j'ai recherché à retrouver, comme je vous dis, un peu la joie, Ouais. l'ardeur. Avant de conclure, Jean-Sébastien, j'aimerais juste que tu te tasses un petit peu la tête pour qu'on voit l'œuvre qui est derrière toi. C'est une Oui, de oui, tes oui. œuvres. Je me ferme là, puis on la regarde. OK, oui, c'est ça exactement, oui. Ah oui, j'aime ça. Ben, tu parles de surréalisme, hein? On est là-dedans, là. Oui, j'aime ça. Alors, on est dans le Duchamp, on est dans l'exploration, on est dans Ben, l'aventure picturale. les collages viennent aussi du fait que moi, j'ai toujours aimé les collages dadaïstes. Hein. Alors, donc, ça vient un peu de là aussi, mon intérêt pour le collage ou la peinture, mais il y a beaucoup de collages dans le livre aussi, de maison. Génial. Écoute, j'espère, il y a le Festival de la poésie à Montréal bientôt, à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Si jamais tu as l'occasion de venir, je sais que bon, tu travailles à Sherbrooke, tu es prof, puis il y a les examens qui s'en viennent et tout ça, puis il y a des corrections à faire. Mais écoute, si tu passes par Montréal, donne un coup de fil, puis ou un bonjour par le biais de Facebook ou autre, pour qu'on puisse se serrer la patte, enfin. Dans la mesure du possible, avec ou Ben non oui, sans absolument. masque. OK, donc Merci c'est ça. beaucoup, Jean-Sébastien Huot, pour Demeure, une septième publication qui est parue aux éditions Mains Libres. Ça a été un plaisir de te parler ce matin. Ben, je te remercie beaucoup. Alors, au plaisir.